Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un petit oracle qui s'appelle l'oracle Gypsy ou la Sibylle de la Bohémienne. L'oracle est dans une petite boîte comme ceci. Pardon. Il existe la version française qui est sortie. Je n'ai pas le livret parce que c'est un jeu que j'avais acheté il y a longtemps. D'occasion et il n'y avait pas le livret. Ceci dit, pour avoir pris les renseignements sur le livret, il n'y avait pas de toute façon la signification des cartes, mais simplement un exemple d'interprétation, enfin de tirage. Alors, le format, c'est un petit format. Parfait. Le dos, moi j'aime beaucoup ce dos, je le trouve très joli. Les cartes sont de bonne qualité, elles sont standards, mais elles se tiennent très très bien. Les tranches à la base sont neutres. Moi, je les ai faites en noir. Les cartes se mélangent très bien et s'étalent très facilement. Et elles sont très très agréables à prendre en main. Il y a 52 cartes en plusieurs langues, dont le français, donc qui est ici. Et on a ces illustrations vintage, anciennes. C'est un oracle qui ressemble beaucoup au Keeper, en tout cas qui a la même structure, beaucoup de personnages sur les illustrations, en tout cas pour la plupart. C'est un oracle intuitif. Et un oracle qui s'utilise en divination, essentiellement aussi. Ça fait partie de ces petits oracles qui ne payent pas de mine, je dirais, mais qui sont top parce qu'ils donnent énormément d'informations. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez pardon, de ce style. Il est mignon ce petit chat, hein, mais il représente l'hypocrisie. C'est un peu comme les souris dans le Petit Lenormand. Pardon, encore une fois. Cette carte, elle m'a un peu choquée en fait. Désespoir avec l'homme qui tient ce pistolet. Mais bon, ça a le mérite d'être clair, hein. Voilà pour les illustrations. Moi, j'aime beaucoup. J'utilise que ce soit celui-ci ou le Keeper classique. J'utilise des conventions, enfin les mêmes conventions que pour un petit Lenormand. Donc tirage à 9 cartes, à 3 cartes. Bon, alors moi je fais très 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 rarement des grands tableaux. Mais voilà, si vous connaissez le petit Lenormand, ce genre de jeu, ces petits jeux, enfin ces petits. Ils ne sont pas spécialement petits, mais voilà, ces jeux qui sont un tout petit peu à part, on va dire, sont super, vraiment top pour faire de la divination et utiliser nos ressentis. Et puis voilà, on est vraiment dans quelque chose de très intuitif et c'est parfait justement pour développer notre intuition.
Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, partager, et commenter, bien sûr. Et pour toute consultation, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.